Infrarouge, des films sans concession. Quand on n'a pas de papier, on n'a pas de droits, au fait. France, terre d'accueil, patrie des droits de l'homme, mais aussi pays des aberrations administratives. Car quand on est étranger dans l'Hexagone, il faut s'armer de courage et de patience pour obtenir ce fameux sésame qu'est la carte de séjour. Voici l'histoire de ceux qui, pour X raisons, sont partis de chez eux. De ces travailleurs qui payent des impôts chez nous. De leur combat entre aéroports et préfectures pour ne pas rester des sans-papiers. Des étrangers dans la ville, de Marcel Tria, tout de suite dans Infrarouge. Ce sont des centaines d'étrangers qui frappent chaque jour à notre porte. 190 000 par an, dont la moitié ne repartiront pas. Leur unique objectif ? Obtenir à tout prix la carte de séjour, leur visa pour une vie normale. Un véritable parcours du combattant dans le dédale des administrations et des réglementations, souvent énigmatiques. La France est avec la Tchéquie, le pays d'Europe qui en accueille le moins, 0,33% de sa population. Ils arrivent du monde entier, par bateau, par le train, par la route ou à pied en prenant tous les risques, ou simplement par avion, ici à Roissy-Charles de Gaulle. À leur débarquement, la loi française exige d'eux un visa, un billet de retour, une attestation de résidence, une assurance médicale, une somme d'argent suffisante pour leur subsistance. En l'absence de l'une de ces conditions, ils sont confinés ici, en zone d'attente, avec interdiction de pénétrer sur le territoire français. Arrivé hier matin avec sa petite fille, Awa vient de subir ce matin une première tentative d'expulsion. Vous avez refusé d'être embarqué ? Oui, mais ça. On voulait vous embarquer où ? Sur Conakry. Votre pays ? Oui. Et pourquoi vous avez refusé ? Pourquoi j'ai refusé ? Parce que la famille veut circonciser ma fille. J'ai refusé. En même temps, m'a donné un mariage à un cousin que j'ai refusé aussi. Ils ne veulent pas que je me marie à un chrétien parce que le papa de ma fille, c'est un chrétien. D'accord. Et eux sont musulmans. Oui, mon cousin, lui, il est musulman. C'est cela que j'ai refusé de me retourner. Donc cette dame, est connue ici dans le cadre d'un non-respect de la réglementation, c'est-à-dire qu'elle vient pour un séjour, un court séjour en France, sous couvert d'un visa délivré par le consulat de France à Conakry. Elle vient au motif d'un séjour touristique et concrètement ne dispose pas des documents requis pour séjourner dans ce cadre. Vous m'apprenez vous-même qu'elle a des craintes vis-à-vis de sa fille. Dans ce contexte, elle pourrait, dans une démarche personnelle, effectivement solliciter une protection. Encore une fois, il n'appartient pas à la police de susciter cette démarche. Cela étant, avec l'assistance des associations présentes sur le site, elle peut y réfléchir, elle peut bénéficier d'un certain nombre d'informations et introduire une demande, notamment une demande d'asile, si elle l'estime utile pour son enfant. Au-delà, pour elle, si elle ne veut pas se soumettre à des traditions locales, on peut imaginer qu'elle pourrait être victime de pression elle-même. Mais ça doit rester une démarche personnelle. Voilà. Chaque jour, des hommes et des femmes sont transférés vers l'aérogare en vue de leur expulsion. D'autres
sont conduits au tribunal de Bobigny afin de pouvoir contester les conditions de leur arrestation. Il y a des moments difficiles dans votre travail? Ça arrive. Ouais. Ça arrive. Il y en a qui vient parce que, ben, par exemple, on reçoit quand même un peu de misère au niveau des gens. Donc il y a des gens qui vous touchent plus que d'autres. Je pense qu'il y a des gens qui vous touchent plus que d'autres. Déjà quand c'est des enfants. Quand c'est des enfants, c'est vrai que c'est un peu plus dur ou quoi que ce soit. Et après, c'est parce que ben forcément on est dans un service où on reçoit des gens qui sont un petit peu perturbés par le fait qu'ils ont été qu'on leur a appris qu'ils pouvaient pas rentrer sur le territoire français alors que c'est ce qu'ils veulent. Et donc bon, après c'est à nous de gérer avec l'aide de la Croix-Rouge et des différentes associations à l'étage pour pouvoir. Que leur passage ici soit le plus court possible et que ça soit le moins difficile possible aussi. Non, mais pareil, c'est vrai que c'est des gens qui arrivent de partout, donc on ne peut pas être insensible à la misère du monde. Hein. Ça peut être des pays qui sont en guerre, ça peut être des gens tout simplement qui viennent migrer parce qu'ils savent qu'ici, ils ont ce qu'ils n'ont pas chez eux. C'est vrai que, comme disait mon collègue, il y a des gens qui sont plus touchants que d'autres, des histoires qui sont plus touchantes quand ça touche notamment des enfants, hein, qui se demandent un peu ce qu'ils font là. Ils suivent leurs parents, ils n'ont rien demandé. Ici, on touche au domaine de la liberté. C'est un peu bizarre de dire à quelqu'un, non, toi, t'as pas les documents, donc non, tu vas pas venir ici habiter là. Pour moi, voilà, moi, je suis ici, je suis à ma place. Ouais. On me dit des fois que je fais un peu assistante sociale ou même Mère Teresa, mais je m'en fiche. J'aime les gens, je fais mon travail. Je suis à ma place. Ouais, ok. Oui. Idée à manger peut-être. Je l'ai été. Attention, s'il vous plaît, Madame Leïté Monique Solange. Leïté Monique Solange, descendez au poste de police avec vos papiers de police et bagages. Merci. Cette dame qui vient d'être appelée avec ses bagages, ça veut dire quoi? C'est une personne qui, au moment du contrôle, ne présentait pas l'ensemble des documents requis par la réglementation pour pénétrer sur le territoire national ou dans l'espace Schengen, parce que je n'ai pas les tenants et les aboutissants de l'ensemble du dossier. Mais à l'issue des vérifications complémentaires et puis de la prise en compte des documents qu'elle a pu nous communiquer ultérieurement, il a été décidé de lever la mesure. Mère Teresa va être contente quand même. Vous savez, on parlait de discernement tout à l'heure. Tous les jours, on est amené à réviser des décisions prises parce que des documents sont fournis a posteriori. Ça y est, c'est fini, c'est fini, madame. Au revoir. Oui. Au revoir. Cette femme va être ramenée à l'aérogare de Roissy pour y récupérer ses bagages, puis autorisée à pénétrer sur le territoire français, mais pour une durée maximum de 3 mois. La même chose. La douleur, je sais qu'est-ce que c'est. Elle est trop petite. Tout ça, ils font tout ça là pour nous séparer. Je ne veux pas cela. Dieu m'a donné la chance d'avoir le visa. Vous avez la possibilité ici de faire une demande d'asile.
C'est très simple. Vous allez voir les officiers de police et vous leur dites que vous voulez demander l'asile. D'accord ? À partir du moment où ils enregistrent votre demande d'asile, ils vont organiser pour vous un entretien avec l'OFPRA, l'Office français pour les réfugiés et les apatrides. Vous allez avoir cet entretien. Et à l'issue de cet entretien, vous aurez un avis favorable ou non du ministère qui vous accorde ou non l'asile. Enfin, il vous l'accorde. C'est une première étape, d'accord ? Si vous êtes admis au titre de l'asile, on vous délivre un papier, une autorisation provisoire de séjour, et vous allez en préfecture, et après, vous referez toute votre démarche d'asile. Donc demain, vous allez aller voir le juge des libertés et de la détention. Ce juge-là, il n'a rien à voir avec votre demande d'asile, d'accord ? Ce juge-là, il est juste là pour voir si vos droits ont bien été respectés lors de votre arrivée, justement. Donc à ce juge, moi, je peux faire un signalement, signaler justement le fait que vous êtes arrivé en aérogare à 6 heures du matin et que jusqu'à 13 heures, vous avez été mis dans une salle et qu'on ne vous a pas notifié vos droits, on vous a pas dit que vous aviez le droit de téléphoner, on vous a pas dit que vous aviez le droit d'appeler un avocat, que vous aviez le droit de demander à boire, d'aller aux toilettes, ni quoi que ce soit, d'accord ? Donc ça, certains juges peuvent vous libérer sur ce fondement, d'autres non, ça dépend du juge. Donc pendant toute votre demande d'asile, puis après ces fameux 48 heures à compter de la réponse du ministère, on ne peut pas vous renvoyer dans votre pays, d'accord ? Et ensuite, au-delà de ça, de toute façon, vous pouvez refuser d'embarquer de façon pacifique et en faisant toujours attention que ça ne dépasse pas certaines limites. Ça, c'est à vous de juger. Mais bon, vous avez un enfant, donc a priori, les choses se passeront bien. D'accord ? Il faut pas non plus aller vers un tel refus et une telle violence qui risquerait après de vous conduire à une garde à vue. D'accord ? Mais bon, avec un enfant, ça passe quand même un petit peu mieux. Souvent, en zone d'attente, on rencontre des personnes qui, pour venir en France, ont dû déjà déposer une demande, constituer un dossier très lourd dans le consulat français dans leur pays, qui ont déjà des attestations d'hébergement, ils sont donnés des relevés bancaires, ils sont vraiment donnés un dossier très complet. Et ils ont déjà été interrogés aussi pour les motifs pour lesquels ils viennent en France et arriver à la frontière en France et refaire la même chose, c'est vraiment incompréhensible pour elles. Le lendemain matin, Awa sera libérée sur ordre du juge des libertés et de la détention et autorisée à présenter une demande d'asile. Alors commencera pour elle une procédure compliquée qui peut durer plus de 2 ans, avec interdiction de travailler. Elle bénéficiera d'une indemnité de 300 euros par mois environ. Tous les demandeurs d'asile présents sur le territoire français sont convoqués ici, à l'OFPRA. Pendant des mois, ils se sont préparés avec l'aide des associations à cette confrontation décisive pour leur avenir. Je suis l'officier de protection qui suis en charge de votre demande d'asile aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on vous a convoqué en entretien. Je vais vous expliquer rapidement comment va se passer l'entretien aujourd'hui. Dans un premier temps, en fait, je vais reprendre avec vous les éléments que vous avez remplis dans votre formulaire au moment où vous avez déposé la demande, pour être sûr qu'il n'y a pas eu d'erreur au moment où vous l'avez rempli ou de changement depuis. Et ensuite, vous allez m'expliquer les raisons pour lesquelles vous avez dû quitter la Côte d'Ivoire et pourquoi vous ne pouvez pas y retourner aujourd'hui. D'accord ? C'est après le décès de mon père, en janvier 2009, que mon oncle a pris, je veux dire, totalement la charge de la famille. Et c'est là qu'il est venu m'annoncer qu'il avait eu un fiancé pour moi. Je n'ai plus une petite fille, je t'ai trouvé quelqu'un de bien. Voilà. Donc j'ai voulu
un peu haussé la voix et le ton, il s'est énervé. Et là, on nous a calmés et chacun est rentré chez lui. Comment vous avez réagi, justement? Comment vous avez manifesté votre refus à votre oncle, votre maman? En fait, j'ai mal réagi, sincèrement. Je lui ai dit, mais attends, tonton. Pourquoi c'est maintenant que tu viens me dire ça? Mais moi, je suis qu'une petite fille, comme toi-même, tu le dis si bien. Je travaille. C'est les filles qui ne sont pas là à l'école que tu peux... Non. Et puis, c'est même pas à toi de me trouver un mari. Parce que je ne suis pas d'accord. Voilà. Et c'est comme ça qu'il a mal pris la chose. Et après les funérailles... Moi, je suis rentrée, je suis à Bengourou. Il y a des réglementations très précises qui vous incitent à dire oui ou non, si j'ose dire. Oui, ben, il faut rentrer effectivement dans les motifs qui sont évoqués par la Convention de Genève quand on veut protéger au titre du 1 à 2, de ce qu'on appelle la Convention de Genève. Donc effectivement, il y a des motifs pour lesquels on demande l'asile. En résumé. Donc c'est des motifs qui sont politiques, par rapport donc, à un engagement politique au sein d'un parti, notamment... ou associatif, militant des droits de l'homme par exemple. Ça peut être aussi un motif religieux. Donc, on a régulièrement des demandes qui sont liées à des conversions religieuses. Voilà. Après, c'est aussi l'appartenance à un groupe social. Là, on rentre dans le cas notamment de la problématique qui est liée autour de l'excision. Ou des problématiques liées par exemple aussi à l'orientation sexuelle, parce qu'on a pas mal de pays, en Afrique notamment, où l'homosexualité, par exemple, est toujours pénalisée. Donc ça fait partie aussi des motifs qui rentrent dans le champ de la Convention de Genève. Et puis, on a ce qu'on appelle aussi la protection subsidiaire. Vous parliez de cette jeune femme que j'ai entendue tout à l'heure, notamment. Quand on a une problématique qui est liée notamment au mariage forcé, ça fait partie des motifs pour lesquels les personnes, les demandeurs, peuvent se voir octroyer une protection. À ce titre-là, titre de traitement inhumain et dégradant, ce qu'on appelle de manière plus générale. Oui, les gens menacés de torture, menacés voilà. Par une guerre, par exemple. Exactement. Le conflit généralisé également, comme ça a pu être connu pour la Syrie notamment. Ça fait partie de tous ces motifs. Donc effectivement, c'est quand même très cadré et le but de l'entretien, c'est de mettre à jour l'existence ou pas de ces motifs. C'est de voir si ça rentre ou pas. Exactement. Voilà. La première chose à faire, c'est de pouvoir justement inclure ou pas dans le champ de la convention ou de la protection subsidiaire en ayant ces éléments. Puisque notamment l'asile économique, par exemple, ouais. N'existe pas. Ouais. Environ 9 sur 10 des demandeurs d'asile sont récusés par les officiers de l'OFPRA. Mais il bénéficie d'une seconde chance, la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile. Ils plaident à nouveau leur cause ici, avec le soutien d'un avocat, devant trois juges, un président et ses deux assesseurs. Chaque mercredi à 18h, le verdict tombe. En tout, 20 à 25% des demandeurs d'asile finissent par obtenir le statut de réfugié. 17 000 en 2012. En ce moment-là, je ne peux pas parler, quoi. Tellement que je suis très très content, je peux même pas parler quoi. Ouais. La vie va changer là. Ouais, maintenant ça va, comme j'ai la protection bon, de l'autorité française, maintenant ça va. Ah ouais, c'est bon maintenant. Jusque-là, vous aviez peur? Jusque-là, vous aviez peur? Ah ouais, parce que dans notre pays, ça va pas du tout. Dans notre pays, ça va pas tout. Il n'y a qu'un régime sanguinaire que je trouve en Guinée en ce moment-là. Ouais. Ah ouais. On n'a pas l'espoir là, avec ce gouvernement. Ils sont, ouais, pour retourner chez nous, non. Ils sont là, non, non. On peut pas, ouais. Parce qu'il n'y a pas de démocratie, ni de justice, ni rien du tout. Parce que le gouvernement Alpha Condé, bon, il nous emmerde surtout les peuples. En fait, il n'aime pas les peuples. C'est ça, on est beaucoup d'ici, nous sommes des réfugiés. Si on retourne chez nous, bon, on attaque, on nous tue. Surtout comme moi, si je retourne dans ma pays, on nous tue. Hein.
je ne retourne jamais. Mais dites-moi un peu comment, enfin, les difficultés pour avoir le statut. Les difficultés que tu peux rencontrer, bon. Ça veut dire, bon, quelquefois ils te croient, quelquefois ils ne te croient pas. C'est difficile, bon, tu viens ici, tu n'as pas de preuves. Tu es sorti illégalement dans ton pays. Tu ne peux pas amener, tu ne peux pas rapporter des preuves et tout, là. Tu n'as plus de contact, tu vois. Vous avez vu, après, maintenant, tu viens ici, tu parles de tes histoires réelles et puis ils ne te croient pas, ils ne te donnent pas. C'est ça qui est difficile. C'est ça simplement qui est difficile, ça, c'est difficile, oui. Parce que vous avez été rejeté à l'OFPRA, déjà. Oui, ouais. Et CNDA, ça a marché. Ça va, oui. Oui, ça a marché, oui. Ouais. Vous voyez à peu près ce à quoi on est confronté tous les jours, c'est quasiment que des rejets. Et alors, est-ce qu'il y a une différence d'un président à... Bien sûr. On a des présidents où on est quasiment sûr que ce sera tout rejeté. On a des présidents qui sont assez justes et on sait que bah, ils font le tri entre, je dirais, ce qui va et ce qui ne va pas, donc ils sont équitables. Et on a des présidents qui sont bienveillants, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un qu'on appelle, par exemple, annulator, parce que c'est le seul, quand on sait qu'on passe devant lui, on a de grandes chances d'avoir une bonne décision. Mais il se compte sur les doigts d'une main. Mais comment expliquer ça? Eh bien, en fait, la justice, elle est humaine. Donc, chaque juge décide, apprécie les faits. Et puis, ben, c'est pour ça qu'on se plaint ici, c'est qu'on n'a pas d'uniformité. On ne sait pas sur quelle base les décisions sont prises. Et puis, on a l'impression que certains magistrats sont blasés, qui n'ont plus envie de... Enfin, qui sont là, spectateurs, qui n'ont plus envie de donner la chance, qui ne croient plus en rien, en fait. On a l'impression que nos clients sont des menteurs présumés. Voilà, quand ils viennent, ils mentent. C'est à eux de prouver qu'ils ne mentent pas. Et pour beaucoup de présidents, ça ne vaut même pas le coup d'écouter. Ils sont blasés, ils n'ont pas envie de leur poser des questions... où ils font semblant de s'intéresser, en fait, ben, le résultat, c'est ça, quoi. Vous voyez, moi, j'ai déjà entendu dans une salle d'audience, « Bon, madame, vous vous êtes faite violer, et alors, et puis, quoi d'autre ?» Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, tous ces déboutés ? Ben, ils vont essayer d'échapper, de passer entre les mailles du filet. S'ils y arrivent, ils vont se maintenir le plus longtemps possible pour obtenir un autre titre de séjour, sur une autre base, sur un autre fondement, ou sinon... ils vont rester sans papier pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. À faire des petits boulots. Exactement. Quand moi j'ai un statut de réfugié, je suis trop contente. Je me dis waouh. Aujourd'hui, je suis bénie des dieux, j'ai eu un statut de réfugié. Je suis contente. Et ça fait plaisir parce que les personnes, elles sont tellement émues et tout. C'est. Voilà, ça fait plaisir. Et c'est rare. Est-ce que la France peut accueillir beaucoup de réfugiés? Ma réponse à moi est oui. Pourquoi? Parce que il y a 10 à 12 millions de réfugiés dans le monde. 77% se trouvent en Asie ou en Afrique. On ne peut donc pas dire qu'il y ait un afflux de gens du Sud sur le Nord. On est à une époque où la mondialisation est aussi celle des hommes et où il faudrait faire prévaloir la préoccupation de protection sur celle de contrôle des flux et de sécurisation, notamment en Europe de l'espace Schengen. Étudiants, salariés, candidats au regroupement familial, demandeurs d'asile, toutes les catégories d'étrangers passent par le filtre de la préfecture de leur département de résidence. Vous êtes de quel pays ? Je suis de Tunisie. Vous êtes arrivé quand en France ? En 2008, en août 2008. À quel titre vous êtes venu en France ? Pour finir mes études, en fait, j'ai eu un bac plus 2 en Tunisie et j'ai voulu après finir sur un diplôme d'ingénieur en France, en informatique. En informatique. Donc, les études se sont terminées.
Voilà, donc après ça commence la recherche d'emploi. Donc là j'ai trouvé une offre sur Pôle emploi pour une boîte sur Paris. Donc, j'ai postulé, on m'a pris pour la boîte, j'ai signé le contrat. J'ai commencé à bosser avec mon titre d'étudiant vu que j'avais un quota horaire sur l'année et entamé en parallèle une démarche de changement de statut. Donc c'est là après déjà que je commençais à travailler au mois d'octobre, c'est le verdict de la direction de travail. Refus de changement de statut et la cause c'était que le salaire affiché sur Pôle emploi était supérieur à celui du contrat. Donc là, entre parenthèses, ils ont trouvé que l'étranger il s'est trouvé lésé par l'entreprise. Et du coup, direction de travail refus et on promo l'OQTF. C'est-à-dire l'obligation de quitter le territoire français. C'était juste la période de la circulaire de M. Claude Guéant. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes lésé et c'est vous qui êtes puni. Et voilà. Parce que Pôle emploi proposait combien ? Voilà, c'était l'entreprise qui a publié l'offre sur Pôle emploi, oui. Qui est à 32 000 euros par an. Et moi, j'ai signé le contrat à 30 000. Et ce qui est bizarre, c'est que je reçois le verdict de la direction de travail, genre le 7 novembre. L'OQTF, c'est juste daté du 8. Donc un jour d'écart au niveau de communication entre les services est assez rapide. Ça va vite là, oui. Ah bah sur ce niveau-là, ouais. On est rapide. Alors qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Bah là, la seule solution c'était d'attaquer la décision de quitter le territoire et aussi le verdict de la direction de travail. Le seul moyen c'est de passer par le tribunal administratif. Oui. J'ai dû passer par la case tribunal administratif et là le juge il a jugé que c'était un abus de pouvoir par la direction de travail et obligé la préfecture de Paris de me délivrer un titre de salarié. Et alors là, vous êtes là pour quoi aujourd'hui à la préfecture ? Là, en fait, c'est pour le renouvellement. Donc, ça fait l'année dernière, j'ai eu le titre salarié au mois de juin. Donc, il expire demain. J'ai déjà déposé la demande de renouvellement. Certainement, le titre, il n'est pas prêt. Du coup, j'essaie de récupérer un récépissé en attendant de récupérer le titre final. Ouais. Vous avez des craintes ? On ne sait jamais. Hein. Ouais. Tout peut arriver avec les lois et... Ça dépend de l'humeur, en fait, après. Ouais. Et alors, pourquoi Nanterre ? Vous avez changé de département ? J'ai déménagé, en fait. D'accord, ouais. Ok. Bon, tout à l'heure, alors. Tout à l'heure, on verra comment ça va se passer. Merci. Ouvre la troisième porte, s'il te plaît. Ouvre la porte, s'il te plaît, là-bas. Bonjour, c'est pour une demande de renouvellement. J'ai envoyé le dossier et là, elle expire demain en fait. Pour un D'accord, vous savez que vous êtes en retard ? Depuis. Ah, il fallait venir deux mois avant. C'est déjà envoyé. Vous l'avez déjà envoyé ? Oui. D'accord. Donc vous venez en fait vérifier si votre carte est prête ? Voilà, si elle est prête ou bien récépissée. Donc là, vous êtes trompé de guichet, monsieur. Je vais vérifier, mais vous êtes trompé de guichet. Oui, c'est... Donc votre carte est prête, hein ? Ok. Va falloir retourner au guichet 1 ou 2, okay. D'accord. Vous allez chercher d'abord les timbres au trésor public, okay. 106 euros, okay. Et vous présentez voir mes collègues. Ok, ça marche. Je vous remercie. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Guichet 1, 106 euros, il faut chercher... Oui, mais par contre, il faut que vous preniez un ticket, monsieur. Allez, où est-ce que je peux le prendre ? À l'accueil. À l'accueil, juste à l'accueil. Ok, merci. Bon, un nouveau ticket à l'accueil, après chercher les timbres. Pour 3000 étrangers qui sollicitent chaque année leur régularisation au guichet de la préfecture de Nanterre, 300 environ obtiennent satisfaction, 1 sur 10. Plus de 1800 font l'objet d'une OQTF, obligation à quitter le territoire français.
Plusieurs centaines d'autres sont maintenus dans l'incertitude. La dernière vie d'un pauvre. Vous avez la, le dernier avis d'opposition 2011 2009, c'est bon. 2010, ok. Alors, aujourd'hui, vous faites une demande quoi ? Vie privée familiale ou salarié ? Salarié. Vous travaillez actuellement ? Pas vraiment, quoi. Ah, vous avez une fausse carte ou... Non, pas une fausse carte. Non, de copain, de cousin ? Ouais. Ok. Et vous travaillez depuis combien de temps? Je viens de commencer la semaine dernière. Avec la carte du copain? Oui. Vous avez commencé là en 2013? En 2013. Vous n'avez jamais travaillé auparavant? J'ai travaillé. Avec des fiches de paie, oui. J'entends. Oui, avec des fiches de paie. Moi, j'ai travaillé jusqu'à, de 2004 jusqu'à 2010. Ok. À votre nom? De 2004 à 2010? Oui. Vous avez des preuves de présence depuis votre entrée en France, depuis 2004? Oui, c'est tout ça. Tout y est. Ça justifie. D'accord. Là, vous me dites actuellement que vous travaillez au noir. Vous faites quoi comme travail? Non, je ne travaille pas au noir, je travaille en autre question. Oui, vous faites quoi comme travail? Je suis maçon. D'accord. Vous pensez que le patron pourra vous faire un contrat? En tout cas, nous, on aura besoin d'un contrat à votre vrai nom. Hein? Le contrat doit être à votre nom. Oui, mais si j'ai pas de papier, donc je ne peux pas l'avoir depuis. Ben, vous pourrez dire au patron que vous avez déposé un dossier en préfecture, vous avez déjà travaillé et que maintenant vous voulez régulariser votre situation. Vous comprenez que nous, on ne pourra pas vous prendre des fiches de paie avec le nom de quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça, mais moi j'essaye. Après, il va me virer tout de suite là, donc ça va pas aller. Vous pouvez lui demander de nous appeler, on pourra lui expliquer votre situation. Mais vous ne pouvez pas continuer à travailler avec une fausse carte. Hein. En fait, ouais, une carte qui n'est pas... Un récépissé, je ne vais pas avoir de contrat tout de suite. Là. Je connais beaucoup de patrons, mais à chaque fois, je les propose comme ça, qu'ils me réglagent mes situations, mais ils ne veulent pas. Tu vois. D'accord. Mais si en mon nom, j'ai un récépissé tout de suite, là, je vous garantis, à la prochaine fois, je viens avec le contrat, il n'y a pas de problème. Ok. Là, je vais prendre vos timbres, oui. Je vais prendre les photos, mais je vais quand même vous donner les documents pour donner au patron, oui, à remplir pour le contrat, d'accord? Ce document, vous allez le donner à votre patron. Oui. Ce sont les contrats de travail. Oui. Ça, c'est le premier, là. Oui. Donner ce contrat de travail, oui. Il devra vous les remplir, dater, signer. Ça, c'est l'engagement de versement de l'OFI. Oui. Il devra remplir aussi, dater, signer, tamponner. Oui. Ça, Madame Janaï, déjà, c'est là, je l'amène au patron. Oui. Tout ça, là, que tu me l'as donné. Mm-hmm. Au mois de mars, j'ai travaillé dans une boîte là. Mais quand je l'ai donné, ça, ils m'ont viré tout de suite. Là. Et pourquoi? Parce que, je sais pas, il veut pas. C'est un contrat officiel, hein? Oui, c'est ça. C'est un contrat officiel. Je suis venu. Si le préfet décide de vous régulariser, ouais, ce document doit être validé par la direction du travail. D'accord. Okay. D'accord. Okay. Sinon, si là, ça passe pas, hein, je vous dis. Si je peux avoir un récépissé tout de suite, là, moi, je peux avoir des contrats. Ça, il n'y a pas de problème. On va expliquer la situation et puis il pourrait faire prendre sa décision. Ça sera dans 3 mois. Dans 3 mois, oui. Faut passer directement. À lundi, on va le dire, comme c'est indiqué sur le reçu que je vous ai donné. D'accord. Okay. Faut passer directement ici, c'est sans rendez-vous. Il y a une permanence. Ok. Merci beaucoup. Comment vous avez senti cet entretien? Bon, je peux rien dire dans ça parce que. C'est comme ça tout le temps, je viens, ils m'ont donné des rendez-vous et puis je reviens, c'est les mêmes histoires. Donc... Vous êtes venu plusieurs fois déjà? C'est la troisième fois que je viens. Pour raconter la même chose? Voilà, pour raconter la même chose.
à chaque fois, ils me demandent des contrats. Donc, moi, je ne peux pas avoir de contrat sans que j'ai pas de papier. Le problème, c'est ça, c'est que le patron ne veut pas donner de contrat. Voilà, c'est ça. Il ne peut pas donner de contrat sans papier. Il faut avoir des papiers, comme ça, il va te donner des contrats. Donc, on tourne en rond, quoi. Voilà, c'est ça. À chaque fois, on tourne en rond. Pas de papier, pas de contrat, pas de contrat, pas de papier. Pas de papier. Ça fait 10 ans que je suis là. J'en ai fait deux fois. En 2008, j'étais avec les patrons même à la préfecture, ils m'accompagnaient. J'étais dans une tri de ferraille. Donc à ce moment, ils ont dit, ils nous ont ramené des critères. Il faut que tu sois dans les restaurations, soit dans les travaux publics pour avoir ça. Moi, j'étais dans la ferraille. Donc ils ont dit, je ne réponds pas à la critère. Ils ne m'ont pas donné. C'est un métier qui n'était pas ouvert aux, voilà, c'est ça, aux immigrés. Voilà. Le truc que je n'ai pas compris. Là, en ce moment, vous travaillez avec des faux papiers qui appartiennent à votre frère. Hein, voilà, bon. C'est ça. D'accord, des faux vrais papiers. Voilà. Un alias. Oui, c'est ça. Mais avant, vous avez apporté des feuilles de paye à votre nom. Oui. Comment vous avez eu ça? Ça, c'était une fausse carte. Ce que j'ai fait. Vous aviez fait une fausse carte? Effectivement. À votre nom? Oui. Une fausse carte de séjour? Oui. Ah, d'accord. Et vous n'êtes jamais retourné au Mali? Non. J'ai jamais retourné. Vous n'avez plus revu votre famille? Non. Le pays vous manque? Beaucoup. Beaucoup. Ça fait 10 ans, ça me manque beaucoup, franchement. Vous aviez une fiancée là-bas? Elle est partie. Elle n'a pas attendu? Ben oui. Ce qu'on constate, c'est que la plupart de ces hommes et de ces femmes travaillent, parfois, souvent, même avec des faux vrais papiers, payent des impôts, oui, oui. Payent des cotisations sociales, voilà, donc là, et font des travaux utiles à la France. Donc c'est la raison pour laquelle on a une circulaire qui est sortie donc, à la fin de l'année dernière, le 28 novembre dernier, du ministre de l'Intérieur, qui prévoit les critères de régularisation pour des personnes qui sont entrées en France, qui sont en France depuis au moins plus de 5 ans, pour lesquelles ces personnes qui travaillent au moins depuis 2 ans, qui pourront être régularisées au titre de ce qu'on appelle la régularisation salariée, donc au titre du travail. Et puis vous aurez des personnes qui pourront être régularisées au titre de la vie privée et familiale, parce qu'elles sont parents d'enfants scolarisés, parce que ce sont des personnes, des étrangers qui sont mariés avec des étrangers en situation irrégulière, qui sont mariés avec des étrangers en situation régulière. Donc c'est ce qu'on appelle l'immigration familiale. Donc vous avez un certain nombre de critères que prévoit la circulaire pour justement assurer cette régularisation. 400 000 étrangers environ vivraient en France sans permis de séjour ni de travail. Un chiffre stable depuis plus de 30 ans, malgré les régularisations et les expulsions. Ils sont de plus en plus nombreux à être diplômés. Ils assurent des travaux non délocalisables et souvent délaissés par les Français, et ils vivent dans la hantise d'un contrôle de police ou de gendarmerie. Beaucoup parviennent à y échapper, mais ils sont maintenus dans une situation précaire de salariés sans droit. Juin 2013, 7h du matin, 42 travailleurs sans papier soutenus par la CGT déclenchent une grève avec occupation dans 17 entreprises des Hauts-de-Seine. Eh bien, il va falloir que vous appeliez votre direction régionale, la direction nationale. Vous êtes dans le cadre d'un mouvement collectif sur le département de travailleurs sans papier, organisé par la CGT. Les camarades en grève vont rester là, dans leur agence. Bon, vous êtes en France tous depuis combien de temps? Juste là, 7 ans et demi. 7 ans et demi? Oui. Voilà, 5 ans. 3 ans. 3 ans. 5 ans, 3 mois. 5 ans, 3 mois. 10 ans. 10 ans. Ouais. 5 ans, 6 ans. Là, ça fait 5 ans. 5 ans. Et vous travaillez tous? C'est tout. On travaille ensemble. Moi, c'est 3 ans du travail, c'est bon. Ouais.
Et dans quelle qualification ? 3 ans, travaux publics. Travaux publics. Différents travaux publics aussi ? Ouais. Non, je suis dans la restauration. Restauration. Restauration, 3 ans. Ouais. Et vous avez des papiers ? Non. Alors, c'est pour ça que nous sommes là, justement. Et est-ce que vous avez des fiches de paye ? Ouais. Si, on a des fiches de paye. Alors, comment vous faites ? Ben, on travaille... Comment on fait pas ? Comment on fait ben, pour avoir des fiches de paye, puisque vous... On travaille avec un nom d'emprunt. Un alias, comment on dit ? Alias, oui. Un faux nom. Oh, oui, c'est un faux nom. Enfin, un vrai faux nom. Un vrai faux nom. Et est-ce que vous avez demandé à avoir des papiers de... Si, si. Moi, par exemple, je prends mon cas. J'étais dans le mouvement de 2009, dans le Val-de-Marne. Bon, ça a été rejeté, on ne sait pas pourquoi, alors qu'on avait même les CERFA, tout et tout. Les CERFA, qu'est-ce que c'est ? Les CERFA, c'est les contrats. Contrats de travail. Contrats de travail que l'employeur délivre pour notre régularisation. Ouais, c'est-à-dire qu'il veut... il veut qu'on continue de travailler tranquillement, ouais. Avec les papiers. Ouais. Et ce patron-ci, là, Adeco, oui. Vous lui avez posé la question ? Ben, on ne lui a pas posé la question directement, mais bon, notre présence, parce qu'on ne peut pas le faire autrement que de venir en groupe, parce qu'on sait souvent la réponse, on a été habitué à ça. Chaque fois qu'on est venu seul, ben, on a dit non, tu arrêtes le travail, et puis allez, c'est fini, on a été habitué à ça. Donc c'est pour ça qu'on vient en groupe, on a trouvé une solution de venir en groupe, parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on peut avoir les CFA. Ouais. Voilà. Sinon, si vous demandez tout seul, vous faites non, c'est viré là. C'est viré. Et pourquoi vous êtes venu en France ? On a des parents au pays qui souffrent comme nous. Ben, nous, on est là pour vous, pour nos parents, et pour les aider à certaines situations. Vous n'avez pas l'intention de partir ? C'est pas qu'on. Ben, la preuve, quand on est régularisé, on ne demeure pas ici. Souvent, on est au pays, souvent, on est ici. C'est pour faire des allées et venues. On travaille, il faut compléter tout avec un document enfin, pour qu'on puisse bouger tranquillement, libre, dans la tête. Ouais. Tout ce qu'on demande. Sinon, on travaille déjà, on est déjà intégré hein, par le travail. Ouais. On contribue, on paye l'URSA, on paye tout. Qu'est-ce que vous payez ? Les impôts, tout et tout. On paye tout. Les impôts ? On paye les impôts, tous, ici. Comment ? Les cotisations. On paye tout, comme un Français. Hein. On paye tout. Tout ce qu'un Français paye, tous les salariés le payent ici en France. Les fiches de paye le montent largement. Il y en a qui sont mariés parmi vous ? Oui. Et la femme est ici en France ? Non. Au pays. Donc vous ne la voyez plus ? Non, pour le moment. Depuis combien de temps ? Depuis 5 ans. Depuis 5 ans, vous n'avez pas vu votre femme. Oui. On n'a pas le choix. On pouvait partir, mais pour revenir, on ne peut pas sans papier. C'est l'amour par téléphone, alors. Voilà. Vous avez été surpris ce matin ? Ah, bien sûr. Bien sûr. C'est la première fois que ça vous arrive ? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ben écoutez, c'est légitime, hein. Tous ces gens-là revendiquent quelque chose auquel ils ont le droit, donc voilà. Après, bon, le fait qu'il y ait beaucoup de monde ici, ça ne m'empêche pas non plus réellement de travailler correctement, donc voilà. Et ce contrat de travail, hein, on vous a jamais demandé de le faire ? Personne ne vous a demandé ? Si. Si, si. Mais après, nous, on transmet les documents à la direction et la direction nous fait des retours. Et c'est quoi les retours ? Justement, pour l'instant, on n'en a pas eu. Pour les 2 mois donc, que je connais ici, j'ai pas eu de retour. Sans explication ? Sans explication. Vous savez qu'ils ne travaillent pas sous leur voile ? Oui. Vous savez ça ? Oui, bien sûr. Oui. Mmh. Avec un nom d'emprunt. Ouais. Mm-hmm. Un alias, comme ils disent. Tout à fait, ouais. Et bon, ça, c'est normal, alors. C'est devenu normal. Non, bien sûr que non. Non. Ouais. Mais c'est quelque chose qui se banalise parce que les papiers sont difficiles à avoir. Ouais. Mm. Un simple papier. Mais moi aussi, je me pose la question. Un simple papier. Pourquoi les patrons ne veulent pas donner ce simple papier ?
Pourquoi? Ou bien ça gêne les patrons que le travailleur ait des droits ou quoi? Parce que quand on n'a pas de papier, on n'a pas de droits au frais. Donc s'il est régularisé, peut-être qu'il va prétendre à des droits, peut-être qu'il n'a pas. Je me pose des questions. Pourquoi il n'aime pas donner? Alors que le but, c'est que le travailleur il soit libre pour avoir un bon rendement. Le rendement, c'est pour les deux parties. Le patron et l'autre, il a son salaire. Il est syndiqué peut-être ou pas. Bon. Mais il cotise toujours. Hein. Qu'il soit travailleur sans papier ou avec, il cotise. Pourquoi les patrons, ils passent par tous ces tralala? Quand on vient s'inscrire, on n'appelle pas le patron. Pourquoi? Quand on vient s'inscrire à l'intérim, on n'appelle pas le patron, on s'inscrit, on travaille. Et alors pourquoi quand on veut obtenir un CERFA, on appelle le patron jusqu'à Lyon? Pourquoi? Mais le patron même n'est pas au courant de ça, il va appeler le DRH, faites le nécessaire pour que les ouvriers travaillent tranquillement. Tant qu'on n'a pas les CERFA, on ne sortira pas d'ici. Il faut que je le dise maintenant, il faut que ce soit entendu. Voilà, c'est clair. On ne sortira pas d'ici sans les CERFA. Il faut que ce soit clair. C'est pas négociable. C'est trop stressant de travailler sans carte de séjour ici, quand même. C'est très, très stressant. Donc, la liberté, le travail, il n'y a pas de souci. On veut les CERFA. C'est tout ce qu'on demande. Voilà. Hey, camarade, bonjour. 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 Entre-temps, la directrice régionale d'ADECO est arrivée et les négociations avec le syndicat ont commencé. Alors comment s'est passée cette négociation ? Oh, je dirais dans un premier temps très classique pour une direction régionale d'intérim. Un petit peu de menace, un petit peu d'agressivité, mais en même temps une volonté de voir les choses s'apaiser au plus vite possible. Et est-ce que la préfecture a réagi déjà ? J'ai pas encore l'information. J'ai pas encore l'information. Je pense qu'elle est au courant, mais j'ai pas l'information. Je peux pas confirmer qu'elle... Parce que tout le monde va se concerter maintenant. Ah ben là, maintenant, ça va être, oui, le grand jeu de coup de téléphone, là. Ouais. Là, c'est les portables chauffent. Il ne faudrait pas que nos opérateurs tombent en panne, parce qu'on va rester quelques jours. Sur ce dossier, on n'a pas eu, jusqu'à ces derniers jours, on n'avait pas de nouvelles du syndicat en question, qui, à la suite, effectivement, de son mouvement, est venu nous voir. Donc, nous avons donné suite à leur demande d'entrevue. On les a reçus il y a à peu près une dizaine de jours. Nous avons réagi très rapidement puisque dès le lendemain, une attestation de dépôt des dossiers a été délivrée à ces personnes. Et donc maintenant, au cas par cas, à partir de la semaine prochaine, enfin, dans une dizaine de jours plus exactement, on va les recevoir individuellement. C'est grâce à la force et le courage de tous ces gens qui sont là qu'on est parvenu à venir à ce jour. Et au début, c'était une aventure pour nous. Et pour certains, c'était de l'utopie. Pour d'autres, même aujourd'hui dans la salle, qui pensaient même que c'était des choses irréalisables. Un rêve pour certains. Et ce rêve-là, aujourd'hui, s'est réalisé. D'où ? Je vais vous demander, quand vous serez convoqué, de ramener... votre dossier complet avec vous à la préfecture, avec tous les originaux, c'est impératif, on en a besoin, d'accord? Sanoussi, 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 Adéco, 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 allez Sanoussi, bravo, bravo. À l'envers. Monsieur Kanté Mahamadou. Ouais.
Et je pense que ce bout de papier aujourd'hui, beaucoup vont dormir jusqu'à même ronfler. Qu'est-ce que la vie d'un travailleur sans papier? C'est sortir la peur au ventre. T'es sûr de sortir, mais t'es pas sûr de rentrer. Autant, aussi, il parle d'aller en garde à vue, c'est plus pur que ça encore, c'est retrouver au pays. C'est, tu sors, et t'es expulsé directement. On peut pas dire que les patrons ne sont pas au courant de la situation. Un mec qui vient travailler en alliance avec un autre, le mec il le sait, le patron il le sait. Il te demande même de ramener le papier d'un frère ou d'un cousin qui t'embosse là-dessus. C'est toi-même qui as peur, qui dit non. Ils s'en foutent, ils sont au courant de la situation. Donc c'est une exploitation de l'homme qui continue, depuis autant, qui continue jusqu'à là encore. En plus, la France, en tant que pays des droits de l'homme, on devait dire stop. S'ils avaient fait la démarche tout seuls, on peut estimer qu'à 30% les patrons auraient pu donner des papiers, enfin les papiers, les CERFA. 70% ils se faisaient licencier. Ouais. C'est à peu près la proportion qu'on voit régulièrement dans les discussions qu'on a. Donc, d'où l'importance de la grève et du mouvement collectif. Parce que la grève et le mouvement collectif verrouillent en quelque sorte les patrons, les obligent à satisfaire aux obligations pour permettre aux gars de pouvoir être régularisés. Et la préfecture, s'ils y vont tout seuls? S'ils vont tout seuls devant la préfecture, si leur dossier n'est pas complet, ils seront jetés de toute façon. Et non seulement ils sont fait jeter, mais avec une grande chance d'avoir un OQTF c'est-à-dire d'être contraint de quitter le territoire national. Ceux qui n'ont pas réussi à régulariser leur situation, s'ils sont interceptés par les forces de l'ordre, peuvent être transférés en centre de rétention administrative en vue de leur expulsion. Ici, au centre de rétention. Ici. Ouais. Première fois ici. Première fois. Ah, okay. On va prendre la photo. Mettez-vous debout. Voilà. Je vous prends en photo tout simplement parce qu'on va vous faire une petite carte. Comme ça, quand vous vous déplacerez, vous présenterez votre carte et votre photo dessus. D'accord ? D'accord. Les collègues vont arriver, vont vous donner, vont vous expliquer un peu plus comment ça se passe. Moi, je suis le responsable du CRA. Hein. Je suis le chef du CRA. Hein. Le chef ici. Hein. On va vous faire une entrée. Hein. Il y aura du monde, il y aura la caméra à côté de qui vous filme. Hein. Et si vous ne voulez pas, vous le dites. Hein. Vous êtes quelle nationalité? Cap-Vert. Cap-Vert? Oui. D'accord. Cap-Verdien. Il n'y a pas beaucoup de Cap-Verdien. Allez, j'espère que vous serez là. Allez, ça va le faire. Il a son téléphone. Dans les poches, monsieur ? Non. Non ? Vous avez quoi ? Je peux montrer la carte, la petite carte.
tu as des amis qui peuvent te rendre des compliments, ou qui veulent te voir, ça c'est l'adresse. Certains d'entre eux seront libérés sur décision judiciaire. D'autres parce que leur pays d'origine s'oppose à leur retour. Je travaille pour une association, d'accord ? Je ne travaille pas ni pour la police, ni pour l'État. Ok ? Donc, vous arrivez au Portugal en 2006 et qu'est-ce que vous faites ? Je travaillais. Après, j'avais plus de travail. J'ai arrêté là, j'ai resté un an sans travailler. Donc, j'ai commencé à faire quelques bricoles comme ça, mais après, j'ai revenu en France. Ouais, d'accord. À partir du moment où vous avez une carte de séjour au Portugal, un passeport, oui. Ok, vous pouvez venir en France, oui. Passer jusqu'à 3 mois, voilà. Touriste, oui. D'accord. Pas les droits de travailler, pas les droits de rester plus longtemps, ok. Là-dessus, vous le savez aussi bien que moi. Oui, non je le sais. Ok. Mais la vie parfois oblige de voyager pour travailler. Je le sais. Oui, je le sais moi-même, je suis étranger. Par contre, ce qui me paraît très très bizarre. C'est qu'ils vous ont placé à un centre de rétention. Et je ne trouve pas ça très, très normal. Parce que vous avez un passeport, vous avez une carte de séjour, et vous avez même une adresse. Oui. Pourquoi le préfet n'a pas dit, bah, écoutez, je vous assigne à résidence, vous avez un domicile, vous avez des garanties ? Ça, je ne sais pas. L'attente à la liberté individuelle qui est à l'enfermement, pour moi, c'est une attente très, très grave. Au droit de la personne. Et pour moi, personnellement, c'est plus qu'une attente à la liberté individuelle, à un droit. Et il n'y a pas de bon lieu d'enfermement pour moi. Ils sont en situation irrégulière. C'est tout. C'est même pas un délit aujourd'hui. C'est une situation administrative. En 2012, plus de 51 000 étrangers sont passés par les centres de rétention français pour une durée pouvant aller jusqu'à 45 jours. Chaque année, environ 30 000 étrangers doivent quitter la France de gré ou de force. Commandant, c'est pas un peu obsédant de vivre toutes ces journées dans un endroit pareil ? Ah, mais la vie d'un CRA de l'intérieur, c'est quand même une petite ville avec tous ces. Il y a des joies, il y a des problèmes, il y a des administrés, nos retenues qui sont moi je suis un peu comme le maire du petit village et il faut que tous mes administrés soient contents quoi. Et moi j'essaie de faire régler que les choses se passent le mieux possible dans le meilleur des mondes. C'est difficile d'être content quand on est enfermé quand même. Non, mais on essaye de faire au mieux, de le faire passer entre guillemets la pilule, mais on essaye de faire passer les moments qui restent là le mieux possible pour les retenus qui puissent ressentir le moins de stress, le moins de contraintes possibles. Et c'est vrai qu'il y a la contrainte de l'enfermement. Il y a une mesure de coercition quand même. Et puis la menace qui pèse sur eux. Ah, la menace, c'est l'éloignement qui les taraude tous les jours. Ça, c'est vrai, c'est leur obsession. Ils essayent par tous les moyens d'y échapper. Les moyens légaux, évidemment, en essayant de se défendre devant les juridictions. À chaque fois, à chaque passage, pour eux, c'est une porte de sortie éventuelle possible. Oui. Et avec tous les avions qui passent. Ah, mais ça, c'est vrai qu'on est en bout de piste de Roissy, évidemment, ils voient la menace qui tourne autour d'eux. C'est un peu comme les vautours qui tournent autour de la proie, quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu stressant, évidemment, c'est stressant. S'ils quittent leur pays d'origine, c'est pour essayer d'améliorer leurs conditions d'existence, c'est vrai.
ils sont prêts à tout, déjà pour partir et après pour résider ici. Mais bon, ils se rendent vite compte que la situation est compliquée aussi en Occident. Hein. C'est idéaliser la chose, c'est compliqué. Pour eux, ils se rendent compte vite qu'ils ont beaucoup d'obstacles à franchir. Quoi. Surtout quand il y a la barrière de la langue qui les gêne beaucoup. Et après, il y a beaucoup de gens qui en profitent aussi. Les employeurs, le travail simulé, plein de choses. Quoi. Les trafiquants de documents, des navigants, à tout niveau. Ils sont un peu abusés des fois. Ouais, c'est des gens fragiles et faciles à exploiter. Et bien sûr, et quand ils sont lésés, c'est difficilement. Pour eux, ils ne vont pas voir la police, évidemment, parce qu'ils n'ont pas de documents. Donc, ce sont des proies. Mais il y en a, ils sont très, très déçus. Ils pensaient à obtenir plus facilement le papier. Mais bon, il y a une législation, il faut s'y conformer. Et nous, paf, la police aux frontières, on s'en occupe. C'est une mission de la police nationale, bon, une mission comme une autre. Pour ces hommes et ces femmes, c'est la dernière étape. Convoqués dans cette permanence de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFII, ils vont recevoir enfin leur première carte de séjour. Bonjour. Bonjour, j'ai un rendez-vous. Premier étage à gauche. Merci beaucoup. Bonjour, premier étage à gauche. Merci. Les étrangers en France, en situation régulière, ont les mêmes droits que les Français et les mêmes devoirs. Sauf les droits de vote qui sont attachés à la nationalité française. Chaque année, comme vous, près de 140 000 étrangers venus de cultures différentes s'installent en France. Comme tout pays, la France et les Français sont attachés à une culture et à des valeurs fondamentales. Pour vivre ensemble, il est nécessaire de les comprendre et de les respecter. Dans le couple, la femme et l'homme sont égaux et prennent les décisions familiales en commun. Vous allez bien ? Le père et la mère exercent ensemble l'autorité vis-à-vis de leurs enfants. Entrez, installez-vous. Je vous en prie. Installez-vous là. Voilà. Alors, donc bonjour Monsieur Diane. Est-ce que vous pouvez me donner votre récépissé, s'il vous plaît? Ça fait longtemps que vous êtes en France, hein, Monsieur Mahamadou. 11 ans. 11 ans. Ouais. Et 11 ans, vous n'êtes pas allé au Mali? Non. Vous avez des nouvelles de la famille, ça va? Oui, un petit peu. MPTV. D'accord. Là, vous allez avoir une carte d'un an, hein, ouais, vous ouais. le savez. Ouais. Donc, pour la renouveler l'année prochaine, ouais. si vous êtes toujours à Paris, ouais. il faut faire la demande du renouvellement 5 mois avant. 5 mois avant. 5 mois avant. Alors, donc, c'est pour ça que ces documents, il faut les conserver pour le renouvellement l'année prochaine ouais. et pour le titre de séjour de 10 ans dans ouais. 5 ans. 5 ans. Oui. Dans 5 ans, vous aurez la carte de 10 ans. Oh. Oui. D'accord ? Oui. Finalement, vous avez de la chance. Vous avez affaire à des gens qui ont le sourire, en général. Absolument. Parce que les personnes que nous recevons, donc en audit, hein, ouais. c'est des personnes qui obtiennent leur premier titre de séjour. C'est pour ça que je me suis permise de lui dire tout à l'heure, c'est le grand jour aujourd'hui. Donc c'est pour ça, quand ils viennent ici, c'est qu'ils ont fini leur procédure, hein, qui peuvent quand même parfois nécessiter des mois, voire des années. Donc étant convoqué à l'OFI, en fait, c'est un peu le grand jour pour eux. Quelque part, on a un peu le beau rôle, quoi. Mais en même temps, vous avez des échos de la galère qu'ils ont vécue. Tout à fait, absolument, tout à fait. D'ailleurs, souvent, ils nous le disent quand on leur dit, voilà, vous allez avoir la carte de séjour. Nous, on a vu des personnes aussi, même en larmes, parce qu'ils ont quand même fait plusieurs demandes de régularisation qui ont été refusées. Donc, quand ils ont l'accord de la préfecture, donc ils sont, quelque part, il y a un peu les nerfs qui lâchent, quoi. Ben là, en fait, il rentre dans une catégorie, donc de par la loi, il est autorisé à avoir une carte de séjour. C'est ouais. ce qu'on appelle les considérations humanitaires. Ouais.
c'est les 10 ans de séjour. Ouais. Donc comme il est en France depuis plus de 10 ans, donc il a quand même prouvé sa présence sur le territoire français. Donc il faut, je crois, je ne sais pas, 3 ou 4 preuves par an pour pouvoir justifier de sa présence en France pendant toutes ces années pour pouvoir prétendre un titre de séjour. 10 ans. Il faut 10 ans, oui, tout à fait. Mais il nous arrive d'avoir des personnes qui sont en France depuis 15-20 ans. Hein, donc, moi, j'ai eu le souvenir qui m'est resté d'un monsieur algérien qui a quitté l'Algérie. Sa petite fille, elle avait à peine 1 an. Et le jour où je l'ai reçue, elle se mariait. Donc, je vous assure, c'était très, très dur comme entretien. Hein. Il a craqué en larmes. C'était très difficile. Très difficile. Il ne l'a pas vu grandir. Hein. Donc, on a souvent des situations comme ça. Hein. Donc, derrière le sourire, bon, ils sont soulagés, certes. Mais il y a quand même tout un parcours derrière et toute une vie. Ils n'ont pas vu. Par exemple, ils nous disent souvent... J'ai pas vu mes parents mourir, j'ai pas vu même mon frère mourir. C'est vraiment des situations humaines très, très, très difficiles. Hein. Ouais. Très difficiles. Hein. Donc, on ne se rend pas compte quand on est à l'extérieur de ce domaine, mais c'est très difficile. Sachant que ce sont des personnes qui ont travaillé, qui travaillent. Hein. Ils sont en France depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais qui ont travaillé, hein. Qui ont déclaré leurs impôts, qui ont des bulletins de salaire, hein. Mais qui n'avaient pas le titre de séjour. Ouais. Alors, on est avec moi. Je vais vous montrer le bureau préfecture, monsieur Gagné. Alors, donc après la visite médicale, donc vous attendez quand même les journalistes, et c'est ici le retrait de la carte. D'accord ? Venez, monsieur. Venez. Venez, monsieur. Venez. Alors, monsieur Gagné. Bonjour. Alors, votre visite médicale, le récépissé et des timbres. La première carte de séjour, c'est 260. En tout, ça fait 550 euros qu'il me faut aujourd'hui. Votre attestation de remise et la carte de séjour. Ouais. D'accord ? Salut. Merci. Il faut aller au consulat de France au Mali avec ce document. La copie de votre carte pour qu'il vous donne un visa de retour. Ça, c'est un papier très important, hein, monsieur Diané. D'accord ? Ne le perdez pas. Hein. Donc, félicitations. Hein. Je suis très contente pour vous, monsieur Diané. Vraiment, bonne chance à vous. Hein. Au revoir. Hein. Alors, comment elle est, cette carte ? Montrez-moi. C'est belle. C'est belle. Ça va vous changer la vie ? Ouais, c'est ça, c'est nouveau la vie. C'est nouveau la vie. Voilà, c'est vrai, c'est important. C'est très, très important. Ouais. Okay. Ouais.